Alors, c'était donc toi l'OVNI hier soir? Oh là là, ça va, vous ne pouvez pas changer de disque, s'il vous plaît. Pourquoi vous me reparlez de cet ovni? Ah, oh, autant pour moi, mais c'est bien toi qui t'as mis sur l'histoire avec cet objet. Mais flûte, de quoi vous parlez? On sait très bien que c'est toi, va falloir se mettre au diapason, sinon on va te dénoncer. Calmez-vous avant que ça aille crescendo. Bah alors donne-nous des raisons de pas te dénoncer. On peut en parler sans tambourner trompette, mais avant on va s'asseoir et après je vous dis quoi. Je vous dis quoi? Comment ça? Donne-nous des arguments ou explique-nous ce qu'est cet objet. Oui, on va s'asseoir dans le foyer et je vous dis quoi. Non mais elle se moque de nous. Nous ce que t'as fait hier soir avec ça. Ben on s'assoit et je vous dis quoi. Mais en fait, je vous dis quoi, c'est une expression ch'ti qui veut dire je vous dis ce qu'il en est quoi. Merci. Ok, il vaut mieux déplacer le tambour que le piano. Alors voilà, sa forme est tout à fait étonnante, composée de deux coques d'acier fixées l'une à l'autre, le handpan se joue avec les mains et les doigts en frappant directement sur le métal. Mais qu'est-ce qu'elle nous chantait? C'est du pipeau, et comment tu le fais voler? Inutile de claironner, avec cet instrument, ce que nous aimons réside dans sa qualité sonore. En effet, il produit des sons subtils, intimistes, poétiques et complètement envoûtants. Il me fait vibrer la corde sensible. Chaque instrument est une pièce à la structure sonore unique, puisque sa fabrication requiert un savoir-faire rare, de la précision, de la délicatesse et surtout beaucoup de passion. C'est pas possible, avec elle c'est toujours la même chanson, autant pisser dans un violon. Et comment tu sais tout ça? C'est un artisan qui a plusieurs cordes à son arc qui m'a appris à choisir la matière première, à former la tôle, à nitrer la coque, à choisir la gamme et les notes, à conditionner cet instrument afin de pouvoir l'accorder sans risquer de le casser. Ce sont nos violons qu'il va falloir accorder. Arrête ce concert de louanges et dis-nous vraiment ce qu'il en est. Accorder un handpan, c'est une compétence inouïe acquise au fil d'années d'expérience. En effet, l'artisan martèle méticuleusement la zone autour de chaque petit creux jusqu'à l'obtention de la fréquence souhaitée. Elle nous mène à la baguette. Et comment tu vas l'obtenir, ton ovni? Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Après l'accordage, vient le temps de coller la coque supérieure, celle qui est accordée à la coque inférieure. On obtient ainsi l'objet qu'est le handpan. Ok, on va voir si t'es un ténor dans ton domaine. Tu vas poser ton doigt sur ce détecteur de mensonges. Pas de souci, en avant la musique.